انت اللي كتفرج، راه كاين انت بوغاس وكاين انت W9، راه عارفها. داير سولتو وغنسولكم حتى نتوما. لوي ما دي او لا بوغ، شو شتي البساله دابا بي ام هذا سي سيغ بغا يدير شي دريفت لاح الرويضه ولا ما عرف شنو طرا ليه. دايوغ ان بارلون دو بي ام جو ميتي دي تيان اي بوركوا با بوركوا با بروندر اون بي ام. اي دونك جو في فو ليسي فوار، جو في فو ليسي فوار لا بي ام، ما بي ام ايديال. Si je prenais une BM, qu'est-ce que ça va être? BMW, c'est de la classe. Je vais comme pas mal de petites motos. Des fois, je me dis, je vais prendre une BM. Surtout quand je suis avec une personne. Ou autre une Bentley, je ne sais pas. Les gens qui regardent les vidéos, vous voyez sûrement de quoi je parle. Et je pense que ça serait celle-là que je prendrais. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les phares, les jantes, surtout la couleur, j'aime beaucoup. Head en carbone, l'intérieur avec les sièges sport. La couleur, elle est vraiment belle. Pilote Sport 4S, les pneus que j'aime. Chaud. Carbon Fiber, M4 Compétition. Je pense qu'elle fait 510 chevaux. Elle n'est pas X-Drive. Moi, je prendrais X-Drive. Comme ça, et quoi d'autre? L'intérieur, certainement que je prendrai soit cette couleur, soit l'orange. L'orange au numéro 1, j'adore. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous pensez de la config? Ah oui, détail très important, le logo BM, j'aimerais qu'il soit blanc et rouge. Ah si, pour dès que le... l'anniversaire, je pense que c'est 50e ou le chihaja, le truc. Et là, donc, tu as les étriers énormes que j'aime bien en rouge. Ou là, sinon, il y a nos céramiques avec nos freins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Putain, c'est pris une portière ici, ça se voit, ça m'emmerde. Il y a de la couleur, en plus c'est compliqué de la faire. Donc voilà, je vous ai présenté la petite BM gentiment avec mon petit café. Vous allez la voir très prochainement. J'ai un invité spécial, Aziz Eli, la Braiben. J'en ai pas mal en fait des invités, la Braiben. Tu bien ou tu bien? La Braiben, tu bien ou? La Braiben. Les amis, voici l'invité spécial. En plus, oui, je vous ai dit 510 chevaux. Je rigole, c'est pas vrai. ولكن لا شوف انا بغيت تكون عندك انت وحده وانا وحده ونتسابقوا ان شاء الله باش نديروا دي دريفت. ولكن تعلمني ندير لي دريفت. الله يودي تعلم دغيا. و كيس تو بونس دي موتور ام؟ موتور ام سي لا سوفاجري. اتون بتيت كيستيون، هادي سي كيستيون سيريوز. كيس تو بونس بور ريباري لي بي ام؟ است كو سي فاسيل ولا تو بريفير مرسيدس بور ريباري؟ بور ريباري واي مرسيدس. مرسيدس سي بلو فاسيل، بي ام سي بلو كومبلكس. Ça marche, merci pour la réponse. Ok les amis, à la prochaine. Moi, je vais faire une vidéo parmi les vidéos. Mes rich, alors je vais vous faire plus en détail. Le carbone, non, les ouvertures. La calandre, j'aime bien. Par contre, je préfère sans plaque. Ou là, la plaque sur le côté, je vais ou les trucs. Hello, je vous les ai déjà montrés. Voici la fiche technique. 3 litres 510 chevaux. Le prix 120 000 euros. L'intérieur,
très très beau, vraiment beau, magnifique, avec M4. Le diffuseur, le carbone, les pots sont beaux. Mais je pense pas que je lui changerai les pots parce que ça sert à rien. Ça sera jamais comme le monstre. C'est une perte d'argent parce que je dis pas que je suis contre ou là que j'aime pas, mais voilà, ce qui change, c'est cool, je comprends, mais moi je préfère le bruit des V8. On rejoue le monde. La vidéo, de toute façon je vous l'ai déjà expliqué, mes vidéos avant je faisais tout avait un sens, une continuité, une histoire, tu vois, j'essayais de faire le truc à jour. Là plus du tout, là je poste, je filme et après je poste selon l'idée, tu vois, genre par exemple là tu vois j'ai vu la BM. J'ai déjà filmé la BM, ben, je vous laisse voir la vidéo BM. Tu vois, le titre, ça serait ma BM préférée. Tu as compris. Alors, les amis, rebonjour. Monsieur, rebonjour. Bon, ça se trouve, on est toujours dans la même vidéo. Ça se trouve, on est dans une autre. Peu importe. Salam. Tu as pensé que tu as vu cette route, que tu as la Corvette C7. Une C7 normale, Stingray. Elle était très très jolie, Baïda. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est pas mal. En plus, elles sont pas chères, pas trop chères, comme tout est relatif. Mais bref, j'adore dire tout est relatif. Elle est pas chère. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je me demande, ici, qu'est-ce qu'il y a? Exactement, faites-le. Et là, je sens qu'il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Bon, je verrai après. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vous pensez quoi de la C7? La Grand Sport, la Z06, la C8, la C8 Z06. Je vous pose la question, mais franchement, c'est... Je pense pas que l'équipe Farage... Je pense pas. La chance, elle est minime. Je dis pas que c'est impossible. Mais chez Zama, je dis ça parce que... Mais parce que c'est la réalité. Moi, je me pose la question. Donc, je vous la pose, mais en même temps, je me la pose à moi-même. Moi, j'ai pas encore essayé la C8. Quand j'ai un sahbi, j'avais même pas envie de... J'ai pas aimé l'assise, tu vois. J'ai pas aimé... La Z06, j'ai pas encore vu. Jolie, c'est jolie. Et la C7, ce que j'aime, c'est que c'est manuel. L'intérieur, j'aime pas. Mais je l'ai conduite en grand sport. C'était cool. En Z06, ils étaient bizarres, de dealership. Je me rappelle. C'était bizarre. En vrai, là, c'était bizarre. C'était chaud. On peut pas la test drive. راف لامبورغيني وكنديروا تيست درايف ما كنت مشيت مع داك صاحبي اللي كيشري لي لامبو بزاف داكتور ام 3 راه داير معاه فلوغ في لافنتادور في ساشين تقدروا تشوفوا تاع لي موتو كي جاتكم لا موتو اللي صورت في لا فيديو ديافيل تري بيل ديافيل بوغاتي بنتلي بي ماكس. J'aime bien, je viens de faire un tour avec, j'ai beaucoup aimé. Mais ça, j'aime encore plus. Ducati, Diavel, V4, Chouyam Rabba. Mais c'est pas un problème. Bret, on s'en parce que tu vois, c'est une édition limitée. Ça aurait été bien qu'on ait un Marocky Rider. Au moins lui, il est fort, les motos.